Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue pour la cinquième et probablement dernière partie du grand podcast de En attendant la 6G. Donc dans cet épisode on va parler de tout le reste, voilà, il n'y a pas vraiment de thème prédéfini. Et on va commencer avec les nouveaux formats de combat, c'est-à-dire par exemple les rencontres de Horde. Alors il y a eu une vague sur internet quand Pokémon a révélé les rencontres de Horde, parce que le premier exemple qu'on avait c'était une Horde de coupe-notes qui a révélé, il y en avait 5 comme ça. Et donc on nous expliquait que les rencontres de Horde c'était 5 Pokémon sauvages en gros contre un Pokémon de votre équipe. C'est-à-dire que le Pokémon de votre équipe allait se faire un paquet de points d'expérience. Donc il vous encourageait à avoir des capacités qui pouvaient toucher plusieurs cibles à la fois, parce que sinon ça allait être compliqué. Et dans l'image, on voyait donc Amarisson qui affrontait 5 coupe-notes, chacun niveau 8. Oui. Il faut que je finisse ma phrase, sinon je peux pas faire oui, mais... les internautes se sont donc écriés de joie. Yes! Des coupe-notes niveau 8, ça veut dire qu'on va avoir des dragons relativement tôt dans le jeu. Oui, mais je vous rappelle quand même qu'il y a 5 Pokémon en face de vous. Donc à mon avis, ils vous proposeront pas ça quand vos Pokémon seront niveau 8-10. Tu vois ? Faudra attendre qu'ils soient moi je dirais à peu près niveau 20 pour affronter 5 coupe-notes niveau 8 d'un coup. Peut-être un peu avant. Peut-être niveau 15-16, mais pas avant, hein. Donc c'est vrai que c'est toujours tôt par rapport à d'habitude où on a le dragon seulement on a quasiment notre équipe de fête déjà. C'est vrai que oui, niveau 15-16 c'est genre deuxième, troisième badge en gros dans ces eaux là. Donc soit avant le deuxième, soit avant le troisième, enfin bref. Donc oui c'est tôt, mais peut-être pas autant que ce à quoi vous vous attendez, parce que vous affrontez quand même 5 Pokémon niveau 8. Une autre image montrait une horde de Pokémon sauvages qui était 4 tauros et 1 écrémeux. Donc ça confirmait déjà la présence de ces Pokémon dans le jeu. Et puis aussi ça montrait que les Pokémon n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Et donc dans cette image on voit un Fennec niveau 25 qui affronte 4 tauros et 1 écrémeux. Niveau 14, tous. Donc vous voyez il y a quand même une différence de niveau qui s'explique par le fait que bon, il y a 5 Pokémon en face de vous quoi. Voilà. Ensuite on voit un Galvaran qui attaque tous les Malos d'un coup. Donc je pense qu'il a utilisé une attaque. Voilà, 5 Pokémon ont été battus d'un coup. Alors je sais pas de quel niveau est Galvaran, mais il a quand même réussi à battre 5 Malos niveau 11 d'un coup. Donc bon, c'est pas rien. Bref, je pense que vous avez compris. Maintenant, on parle des combats aériens. Oh, bon. Tenez-le-vous pour dit, ces combats sont rudement difficiles. Ah, les combats aériens, c'est des combats qui utilisent les capacités de la Nintendo 3DS en vous montrant un combat complètement en 3D. Je pense que la caméra, elle va bouger, elle va tourner autour des Pokémon. Enfin bref, c'est plus une démonstration technique qu'un véritable mode de combat différent. Parce que voilà, c'est pas genre ouais, il y a les Pokémon, il y a les combats solo, les combats duo, les combats trio, les combats rotatifs et les combats aériens. Non, pas vraiment. Les combats aériens, c'est plus un environnement de combat plus que vraiment un nouveau style. Donc c'est un combat dans lequel seuls les Pokémon de type vol ou ayant la capacité spéciale liée à la lévitation peuvent prendre part. Et voilà, cherchez vos adversaires au sommet des falaises ou autre lieu retiré, mais tenez-vous pour dit, ces combats sont rudement difficiles. Bon, bah écoute, si tu le dis, moi j'ai qu'une seule envie, c'est aller avec mon Haut Massacre, Pokémon de type électrique avec lévitation, hein, parler à un dresseur aérien et lui défoncer tous ses piafs, sans problème. Haut Massacre, la star du combat aérien. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Je le dis d'ailleurs. Vous m'avez entendu, je l'ai dit. Bon, alors je l'ai dit. Merde. Maintenant, on va parler du fait que vous pouvez prendre des photos un petit peu partout dans le jeu. Dans Pokémon X et Y, vous verrez bien souvent des lieux fabuleux ou des paysages spectaculaires. Donc apparemment, ils se sont fait chier pour les décors. Pourquoi ne pas les prendre en photo?
Comme un véritable appareil photo, vous aurez la possibilité de régler l'ouverture, la vitesse de l'obturateur et bien d'autres paramètres pour obtenir le cliché parfait, comme par exemple l'inclinaison de l'appareil, etc., etc. Donc vous aurez votre propre galerie et vos photos préférées, vous pourrez les utiliser pour les mettre sur votre profil au Pokémon Global Link, qui est donc l'endroit où on peut échanger des Pokémon avec le monde entier. Et donc vous pourrez mettre cette photo là comme je suppose photo de profil ou photo, voilà. Donc apparemment l'appareil photo c'est le vôtre. Ça m'étonnerait qu'il y ait des endroits fixes comme ça où il y a un gars avec un appareil photo et qu'il faille lui parler pour faire ça. Enfin pour prendre une photo. Par contre, c'est pas ce qui a l'air d'être dit sur le site. D'après le site, on voit dans une capture d'écran un mec qui dit « Bon, c'est parti, pour commencer, il faut trouver le meilleur point de vue. » Et enfin, vous pouvez être pris en photo, vous. Enfin, vous pouvez être sur la photo, donc peut-être il faut trouver des gens qui sont prêts à vous prendre en photo. Je ne sais pas. Je sais pas bien, je dois avouer que je suis assez perplexe. S'ils ont choisi des lieux, ça me dérange un peu parce que après ils disent il ne tient qu'à vous de prendre des clichés uniques. Donc à la rigueur, en plein milieu de la route 1, tu te retrouves, tu te retournes, tu te mets dos à un arbre, tout ce qui est de plus normal, et tu pourrais te prendre en photo, ça fait un cliché unique. Parce que s'il y a que, on va dire, je sais pas moi, 10 monuments dans Kalos et que tu peux te prendre en photo que devant ces monuments, bah disons que ça va faire pas des clichés uniques quoi. Ça va faire varié mais pas. Bon. Bon après évidemment vous pouvez zoomer, dézoomer pour prendre plus ou moins de paysages derrière vous, modifier la distance focale, plus elle est courte et plus le paysage derrière vous est net, mais vous devenez flou, et plus la distance focale est grande et plus vous êtes net, mais le paysage derrière vous est flou. Donc etc, vous pourrez prendre des photos, c'est sympathique, je trouve l'idée sympathique, mais je sais pas trop comment ils vont l'amener, je suis curieux. Voilà, je dois vous avouer que je suis curieux. Vous pourrez vous prendre en photo, mais vous pourrez aussi vous prendre en vidéo, parce qu'il y aura un studio de vidéodresseurs. À mon avis, ça devrait se trouver à Illumis. Cet endroit vous permettra de créer une vidéo promotionnelle appelée vidéodresseur pour mettre en avant votre style. Donc une fois que vous aurez choisi le look que vous voulez avoir. C'est ce que dit le site. Ces vidéos vous montrent avec un de vos Pokémon et durent 10 secondes. Choisissez vos expressions, vos poses, le fond, la musique, les angles de caméra, tout pour créer votre vidéo unique. Bon, moi, créateur de vidéos sur YouTube et fan de Pokémon, on me propose de réaliser des vidéos dans un jeu Pokémon. Oui. Oui, ça c'est me prendre par les sentiments. Oui, ça c'est gentil. Vous pouvez utiliser un style prédéterminé pour créer une vidéo quasi instantanément ou utiliser chaque seconde pour créer la vidéo de vos rêves. Bon, donc là apparemment ça a l'air d'être vraiment personnalisable à souhait. Donc c'est sympathique. Et donc cette vidéo, à quoi elle sert? Une vidéo dresseur pour mettre en avant ton style. Et ben en fait cette vidéo sera mise sur le PSS, qui est en fait, j'en parlerai après du PSS. Du coup, les autres dresseurs qui passeront avec leur Nintendo DS et qui vous capteront par le PSS, ils se rendront compte que vous êtes là, hop, ils disent « Oh tiens, voilà, je sais pas, moi, Maxime !» Et hop, Maxime, vidéo dresseur, et du coup, ils peuvent voir la vidéo que vous avez fait de vous pour vous mettre en avant. Et après, ils disent « Oh ouais, sa vidéo, elle est classe, par exemple, je sais pas, moi, allez, je vais échanger un Pokémon avec lui, je sais pas. » Bref, le PSS, quoi. Peut-être qu'il faudrait même que j'en parle maintenant. Le PSS. Où est-ce qu'on en parle du PSS? Là, voilà. Le PSS. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est qu'un Shinawa Diameter? Le PSS, c'est ce qu'il y aura sur l'écran du bas de votre Nintendo DS quand vous jouerez à Pokémon X et Pokémon Y. Ça vous permettra de communiquer avec des joueurs tout près de vous, comme à l'autre bout du monde via Internet. Vous pourrez même prendre contact avec des dresseurs que vous n'avez encore jamais rencontrés. Pour cela, il suffit de toucher l'icône d'un joueur. Ensuite, vous pourrez choisir de combattre ou d'échanger avec lui. Bon. Alors, voilà, donc c'est ce qu'il y a sur l'écran du bas de la Nintendo DS. Et donc... vous avez vos amis, vous avez des copains, donc ils sont... ils font pas comme Facebook, ils différencient amis et copains.
Et après, vous aurez les passants, c'est-à-dire que si vous êtes dans la rue et qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue à Pokémon version X ou version Y dans la rue, eh ben, vous allez le capter. Et donc, vous allez avoir son petit avatar. Avatar qui change, évidemment, selon les fringues que vous vous êtes mises. Enfin, qu'il s'est mise, lui. Lui, il vous voit, évidemment, avec les fringues que vous vous êtes mises. Et donc, voilà, vous ne vous connaissez pas, mais vous pouvez quand même échanger des Pokémon, ou faire un combat, ou regarder la vidéo dresseur, par exemple. Voilà. Donc, vous pouvez, faire des combats, merci, on a compris, et vous échangez des Pokémon. Vous avez également accès, à partir du PSS, à l'Holokit. L'Holokit, c'est le Vokit, mais de Kalos, qui, comme son nom l'indique, ne fait pas que montrer la tête de la personne, mais créer carrément un hologramme de la personne qui vous parle. Et oui, l'Holokit, mesdames et messieurs, c'est beaucoup de technologie pour pas grand-chose. Parce qu'en plus, moi, je les passe rapidement, les dialogues, franchement. Bon. On peut utiliser le Street Pass avec l'Holokit pour faire un hologramme de nous-mêmes et pour parler avec les autres. Et oui, comme avec le Vokit qui nous permettait de communiquer l'un avec l'autre, et ben là, cette fois, c'est l'Holokit qui fait pareil, sauf que cette fois, ça vous fait un hologramme carrément, et ça, c'est cool. Restez à la pointe de l'actualité grâce à StreetPath ou votre connexion internet. Recevez des informations même lorsque vous n'êtes pas en train de jouer ou lorsque votre console est en mode veille. Bon, pourquoi pas. Le coin combat vous permet de défier des joueurs du monde entier via votre connexion internet. Bon, ça, je l'ai pas, moi, la connexion internet sur la 3DS, donc ça ne me concerne pas vraiment. Bon, d'accord. Ou bien tenter de redoutables combats en mode rang pour tester votre valeur. Vous pouvez vous livrer à des combats Link avec des joueurs du monde entier. Si la connexion est interrompue en cours de combat, il sera considéré comme une défaite. Assurez-vous donc de jouer dans un environnement jouissant d'une bonne réception. Le GTS, Global Trade Station, ça c'est dans tous les jeux Pokémon depuis... Voilà. Je me souviens particulièrement de Sud Platine qui a félicité. Donc voilà, c'est un endroit où on peut échanger des Pokémon avec des dresseurs du monde entier grâce à une fonction recherche et tout. Donc vous pouvez sélectionner des Pokémon dont vous voulez vous séparer et vous dites moi j'échange ce Pokémon contre tel Pokémon, et donc vous dites par exemple le nom du Pokémon, son sexe, son niveau, voilà, vous mettez un petit peu vos précisions. Et voilà, et si un jour il y a quelqu'un qui dit j'échange ce Pokémon, machin, cela, l'échange sera, je pense, automatiquement effectué. Par le passé, vous ne pouviez obtenir sur la GTS que des Pokémon enregistrés dans votre Pokédex. Vous deviez donc les avoir déjà vus ou attrapés, ce que je trouve complètement con. Mais dans Pokémon X et Y, il vous sera possible de recevoir des Pokémon absents de votre Pokédex. Ce qui fait que vous pourrez compléter le Pokédex qui sera maintenant à 800 Pokémon. Je ne sais pas du tout, mais peut-être. Il faut tout d'abord indiquer, oui, donc le Pokémon que vous souhaitez recevoir. Même s'il n'est pas dans votre Pokédex, vous pouvez chercher un Pokémon en saisissant son nom. Si un partenaire d'échange est trouvé, l'échange se fait. Et donc ça marche comment, ça? Ouais, bon. L'échange se fait, et voilà. Après, c'est des images d'échange. L'échange miracle. L'échange miracle constitue une nouvelle méthode d'échange. Vous choisissez un Pokémon à offrir et vous en recevez un autre instantanément offert par un joueur quelque part dans le monde. Le frisson de ces échanges est compréhensible. Vous ne saurez absolument pas quel Pokémon vous recevrez à l'avance. Mais qui sait, peut-être bien que ce sera un Pokémon rare dont vous n'osiez rêver. Mais oui, bien sûr, il y a des gens qui vont envoyer ces Pokémon-là dans l'échange miracle. Oh, un Tyranocif Shiny, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, je l'ai changé miraculeusement contre un Pokémon que je ne connais pas. Non, oh, un Ratantif niveau 1, qu'est-ce que c'est cool. Oh là 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 là, vive les échanges miracles. J'ai perdu, mais bon, c'est le hasard du jeu. Mais bien sûr, il n'y a que des Pokémon de merde qui vont tourner à terme là-dedans. Mais bon, pourquoi pas, donc ça c'est aussi accessible à partir du PSS. Les Zo-Aura, qui sont probablement les Zofri-Aura, mais de Kalos.
sont des pouvoirs spéciaux qui vous aideront durant votre aventure. Elles peuvent prendre de multiples formes. Alors là, je dois vous avouer que je nage en pleine vague. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Vu que j'ai pas de connexion sur ma 3DS, j'ai rarement fait des trucs comme ça. Donc je sais à peine de quoi je parle. Et puis ça m'intéresse pas plus que ça. Franchement, voilà, hein. Moi, je préfère jouer au jeu plutôt que faire autant de trucs annexes comme ça, mais bon. Donc, les auras, ce sont des objets qui facilitent la capture de Pokémon sauvages, ou bien augmenteront temporairement vos stats, ou bien augmenteront vos gains de points d'expérience, ou bien d'argent à la fin des combats. Vous pouvez les partager, oui, donc c'est le même concept que les Ofriora, évidemment. Partagez les Ofriora avec vos amis. Et il y a aussi une fonction salutation sur le PSS. Qui vous permet de mettre un message d'humeur, c'est-à-dire que si les gens viennent voir, si les gens vous voient par exemple dans la rue ou si c'est votre ami, ils regardent un petit peu sur le PSS et ils voient, oh tiens, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, Maxime, coucou Maxime, et quand il appuie sur le petit avatar de Maxime, il peut accéder à la vidéo dresseur, machin, ceci, cela, et il y a aussi une petite phrase juste en dessous de la tête de Maxime, qui est une salutation, genre, je sais pas moi, bonjour. Waouh. Pourquoi j'ai dit je sais pas moi? Oui, si, bonjour, c'est une bonne salutation, ça vous salue, ou yo, ou ta mère en string, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, il y aura des gens qui mettront des trucs débiles. J'aime la pizza, ou des trucs comme ça. Bon, il y a des trucs débiles et des trucs vulgaires. J'aime la pizza, c'est débile mais drôle. D'autres choses peuvent choquer les gens de 7 ans ou moins, qui joueraient à Pokémon. Veuillez faire attention à ce que vous écrirez lors des salutations. Hein, voilà. Tic. Les joueurs avec qui vous êtes connectés verront votre salutation sur le PSS. Le truc qui m'inquiète, c'est que sur le truc de Pokémon X et Y, le gars qui écrit une salutation, sa salutation c'est aidez-moi. Aidez-moi à quoi? Pourquoi t'aurais besoin d'aide, mec? Peut-être c'est aidez-moi, je suis prêt à me suicider, que quelqu'un me réconforte dans ma vie ou un truc comme ça. Mais comme il n'y a pas assez de caractère, il n'y a même que aidez-moi. Ça fait vachement flipper. Arrête, c'est un peu. C'est pas une salutation, ça, aidez-moi. Oh tiens, qu'est-ce qu'il veut, Maxime? Aidez-moi! Ok, tout va bien. Le SPV. Je sais même pas ce que ça veut dire SPV. Système de perfectionnement virtuel. Dans Pokémon X et Y, il existe une nouvelle façon d'aider vos Pokémon à gagner de la force et de l'expérience. Le SPV. Au cas où vous n'auriez pas compris, c'est le futur de l'entraînement, donc c'est accessible depuis l'écran tactile de la 3DS, et donc vous pouvez par exemple faire des challenges à vos Pokémon. Votre Pokémon devra faire face à de gigantesques ballons en forme de Pokémon, et devra essayer d'atteindre les cibles tout en se protégeant. Tout ceci dans un environnement en 3D stéréoscopique, avec un score, ça a l'air d'être le bordel, il y a un timer, c'est le bordel total. Il faudra maîtriser le pad circulaire et l'écran tactile pour déchaîner des tirs bien pensés sur votre adversaire. Alors, je suis peut-être super con, mais je ne vois absolument pas en quoi ça consiste. Donc voilà, j'aurai peut-être la découverte. Je testerai juste pour voir un peu ce que c'est que ce bordel. Pour un entraînement moins exigeant, vous pouvez utiliser les sacs de sable de la préparation. Vous gagnerez des sacs supplémentaires en remportant des challenges. Super. Donc, grâce au SPV, un Pokémon n'augmente pas son niveau, mais ses stats de base, à savoir les valeurs numériques qui définissent son habileté en combat. Genre, si votre Pokémon il a un peu moins de points de vie que ses autres stats, et ben vous pouvez aller augmenter sa stat de base en points de vie. C'est conceptuel, du coup, en fait, on peut faire un entraînement ciblé. Jusqu'à présent, il fallait utiliser des objets entre autres méthodes pour les booster, mais avec le SPV de Pokémon X et Pokémon Y, les choses deviennent plus simples que jamais. Ce travail préliminaire permettra à un grand nombre de dresseurs de viser un plus haut niveau. C'est pour vous entraîner en fait au combat. En compétition.
Mais bon, moi ça m'intéresse pas vraiment. Mais augmenter les stats de ces Pokémon comme ça en ciblé, ça peut être intéressant. Et enfin... Ah oui, non, pardon. Quand vous faites ça, l'augmentation de stats de base, vous avez une jauge d'effort qui vous montre la force de votre Pokémon sur un diagramme. La partie verte du graphique signale les stats relatives à son espèce. Et la partie jaune indique l'augmentation des stats de base accomplies grâce au SPV. Il existe toutefois une limite à cette augmentation. D'accord. Bon, il est indiqué par la barre tout à fait à droite de l'écran. Donc au fur et à mesure que vous vous entraînez, il y a une barre qui se remplit. Et quand elle est en haut, et ben vous n'avez plus le droit de faire augmenter vos stats. Donc il faut bien choisir où est-ce que vous voulez faire augmenter vos stats grâce à la préparation. Donc après il nous explique ce que c'est que les stats, PV, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse, ça on sait, merci. Et donc similaire à ça, si jamais vous vous ennuyez, vous pourrez aller entraîner vos Pokémon dans la Poké Récré. Laissez votre amour des Pokémon s'exprimer avec la Poké Récré. Vous pourrez jouer avec les Pokémon, les gratter, les gratouiller, les gâter, les caresser via l'écran tactile. Vous pourrez accéder à la Poké Récré à tout moment pour jouer avec les Pokémon de votre équipe. Il faudra passer du temps avec eux afin d'apprendre ce qui leur plaît. Choyez-les, faites-les se sentir aimés. À mon avis, ça devrait augmenter le bonheur de vos Pokémon. Si en revanche, vous les maltraitez, ils exprimeront leur mécontentement. Donc voilà, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça permet d'augmenter le bonheur de vos Pokémon. Plus vous jouerez avec un Pokémon et plus il s'attachera à vous. Et voilà, un Pokémon heureux sera plus performant au combat et pourra éviter les attaques adverses, infliger plus de coups critiques, etc. Ah, ça c'est intéressant. Un truc qui permet d'augmenter la capacité des coups critiques et tout. Ceci est intéressant. Donc apparemment on peut leur donner des gâteaux aussi. D'accord. Ok. Bon ben, écoutez, c'est un peu plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Le nouveau Pokémon Global Link. C'est quoi ça le Global Link? Ah oui, si, pardon, non, c'est ça le truc de félicité. Le Pokémon Global Link a subi une refonte complète pour le lancement de Pokémon X et Y. L'actuel Pokémon Global Link sera fermé pour raison de maintenance le 1er octobre 2013 et rouvrira au moment de la sortie des jeux le 12 octobre. D'accord, bon ça, très franchement, j'ai même pas envie d'en parler tellement ça me saoule. Je trouve ça hyper chiant, visitez le PGL où vous le voulez, faites des combats en mode rang. Tiens, qu'est-ce que c'est que les combats en mode rang? Il existe 5 types de combats en mode rang dans Pokémon X et Y. Les combats solo, duo, trio, rotatif et les nouveaux combats spéciaux. Les règles de ce dernier type de combat changeront tous les 3 mois. Ben voyons. Durant la première saison suivant la sortie de Pokémon X et Y, il s'agira de combats solo limités aux Pokémon nouvellement introduits dans Pokémon X et Y. Cette première saison devrait commencer vers la fin décembre 2013. Bon. Combat en mode rang et savoir-vivre. Qu'est-ce que c'est que ça? En réponse aux nombreuses demandes de joueurs qui combattaient en ligne dans Pokémon version noir, blanche, noir de blanc 2, nous avons décidé que tout dresseur déconnecté du serveur au milieu d'un combat verrait le combat comptabilisé comme une défaite et son rang décroître en conséquence. D'accord. Bon, comme j'y vais jamais, moi je m'en fous. Et on va terminer parce que c'est pareil, là ça commence à être un petit peu long. Ah non, 23 minutes, ça va encore, comparé au reste. Ok. Donc, là, instant polémique, mesdames et messieurs, asseyez-vous dans votre... confortablement dans votre fauteuil, et puis on terminera la série des grands podcasts de Pokémon X et Y avec ceci, la banque Pokémon. Ah, ça a fait rager un nombre de gens incalculables sur Internet, c'est foudroyant. Alors, la banque Pokémon, qu'est-ce que c'est que ça? La banque Pokémon sera mise en service à partir du 27 décembre 2013. Elle vous permettra de déposer des Pokémon sur Internet et de les récupérer quand vous voudrez. Donc en gros, vous aurez c'est des boîtes, un peu comme les boîtes PC, sauf que cette fois, vous aurez 100 boîtes de 30 Pokémon, ce qui fait 3000 Pokémon que vous pouvez stocker sur Internet. Donc vous pouvez les déposer depuis Pokémon X et Y et les retirer depuis Pokémon X et Y,
Mais, et c'est là que ça devient intéressant, vous pouvez aussi les stocker depuis Pokémon noir, blanc, noir 2, blanc 2. Ce qui fait que tous vos Pokémon des versions noir, blanche, noir 2 et blanc 2, pour être transférés dans Pokémon X et Pokémon Y, devront passer par la banque Pokémon. Vous déposerez tous vos Pokémon, en plus vous n'êtes même pas obligé de faire ça un par un, il y a une option qui vous permet de faire de dégager plusieurs Pokémon d'un coup, peut-être même tous en même temps. Donc ça ira plus vite. Donc pour transférer vos Pokémon depuis noir, blanc, noir 2, blanc 2, vous les mettez dans la banque Pokémon et ensuite vous pouvez les retirer à partir du 27 décembre sur vos jeux Pokémon X et Pokémon Y. Donc c'est un moyen efficace de transférer ces Pokémon. Et Nintendo a annoncé que ce serait maintenant le moyen officiel pour ce jeu-là et pour tous les jeux à venir. C'est-à-dire que vous allez vous créer un compte sur Internet, mettre vos Pokémon dedans, et ce système sera, par exemple, on imagine qu'ils vont créer la 7ème génération de Pokémon, Pokémon version orange et Pokémon version mauve. Voilà. On s'en fout, c'est une spéculation. Bon. Eh ben, pour transférer vos Pokémon depuis X et Y dans Pokémon version orange et mauve, ce sera pas un truc bizarre comme le Pokéfrais, ce sera pas des échanges directs, ce sera pas des trucs comme ça. Enfin, si, par échange direct, je pense que ça doit marcher aussi. Je sais pas. Non, je pense pas. Ce sera par banque Pokémon. Donc ils ont enfin trouvé un système qui permet de s'affranchir des limites de la console. Parce qu'avant ils changeaient toujours le moyen de transférer vos Pokémon d'une version à la nouvelle version en fait, la plus récente. Vous pouviez pas le faire parce que les deux consoles n'étant pas créées en même temps, il y avait des problèmes de compatibilité. Là, plus aucun problème de compatibilité puisque vous passez par Internet. Donc joie de vivre, hein? Qu'est-ce qui pourrait faire rager les gens dans ce truc? Vous pouvez entreposer jusqu'à 3000 Pokémon, vous pouvez stocker vos Pokémon depuis tout plein de jeux, vous pouvez les déplacer tous en même temps pour vous éviter d'avoir à les faire un par un, ce sera le transfert des Pokémon dans tous les jeux. Alors, il y a deux choses qui font rager les gens. Une première qui est pas vraiment très importante. Le Poké Transfert. Qu'est-ce que Poké Transfert ? Eh bien, puisque la banque Pokémon n'a pas été créée à l'époque de Pokémon noir, blanche, noir 2, blanc 2, pour pouvoir transférer vos Pokémon dans la banque Pokémon, eh bien, vous allez devoir télécharger un logiciel depuis le Nintendo eShop qui s'appelle le Poké Transfert et qui vous permettra de prendre vos Pokémon depuis noir, blanche, noir 2, blanc 2 et de les mettre dans la banque Pokémon. Waouh ! Tu dois télécharger un logiciel, pourquoi tu râles ? Bon, ça, il y a très peu de gens qui râlent dessus. C'est plus par flemme, je pense. Ce qui fait vraiment râler les gens, c'est que le service de la banque Pokémon est payant. Et oui ! Il y aura donc une période d'essai de 30 jours, entre le 27 décembre 2013 et le 31 janvier 2014. Qui fait déjà un petit peu... Vous pourrez demander une période d'essai de 30 jours entre le 27 décembre et le 31 janvier 2014. Je vous disais aussi, ça fait pas 30 jours, ça. Non, d'accord. Oui, donc à partir du moment où vous le demandez, vous avez 30 jours gratuits. Mais ensuite, c'est un abonnement annuel, donc payant. Nintendo a dit, ou Game Freak, Pokémon a dit que l'utilité de l'abonnement annuel c'était pour maintenir les serveurs, parce que vous imaginez bien que vu le nombre de gens qui jouent à Pokémon et qui se feront un compte sur la banque Pokémon, évidemment il y aura des serveurs à gérer et donc il y aura des serveurs à maintenir et donc il faudra payer des gens pour le faire. Assurer le maintien sur le long terme pour qu'il puisse être utilisé avec les futurs titres de la série Pokémon. Le paiement autorisera également la gestion et la maintenance nécessaire à l'accès pour tous de ce système de stockage. Voilà. Et il y a des gens qui râlent. Le prix n'a pas été indiqué. On ne sait pas combien ça va coûter par an. Mais... Et là, je rassure tous les gens qui disent « Oh, on va pas dépenser 30 euros par an pour pouvoir... » Le jeu est un jeu
PEGI 7. PEGI 3 peut-être même, je sais. Non, PEGI 7 sûrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 7 ans qui jouent à Pokémon. Essayez d'imaginer un peu le compte en banque d'un gamin de 7 ans. Il a rien dans son porte-monnaie. Tu lui demandes déjà 5 euros par an, c'est déjà beaucoup. Donc, oui, il va y avoir à payer, mais à mon avis, ça va être moins que 10, déjà. Moins de 10 euros, ça me paraît certain. Je pense à 5, parce que c'est un chiffre pratique. Bon, voilà. C'est pas énorme, de toute façon, ils ont pas besoin d'énormément d'argent. Déjà, Pokémon, c'est une firme qui a... qui est sûrement milliardaire. Bon, au moins multimillionnaire. Donc, ils ont pas besoin de tant d'argent que ça. Il suffirait s'ils demandent ne serait-ce que 5 euros à tous les gens qui vont souscrire à la banque Pokémon, ils vont se faire un fric monstre. Donc, c'est pas... Ils ont pas besoin de beaucoup. Donc, à mon avis, ce sera pas énorme. Et en plus, je trouve les raisons qui les poussent à demander de l'argent justifiées. Même si, je pense que même sans abonnement, je pense qu'ils pourraient avoir assez d'argent. Mais voilà. Après, ce dont j'ai un petit peu peur, c'est que quand on laisse... Quand on se laisse aller et qu'on accepte de payer un abonnement annuel comme ça, le risque, c'est que l'abonnement se mette à augmenter au fur et à mesure des années. Donc voilà. Là, évidemment, je ne peux pas dire « Allez-y, créez un compte à la banque Pokémon, vous n'allez pas le regretter, ça va être génial, vous n'allez pas vous faire entuber, j'en sais rien, j'en sais autant que vous sur la banque Pokémon, mais... » L'abonnement, voilà, ça me semble... Je pense que votre compte en banque survivra à l'abonnement annuel de Pokémon. Ça, il devrait bien se porter. À mon avis, moi je table sur 5 euros par an. Pour le maintien d'un truc qui est quand même vachement pratique et qui sera utile pour les versions futures de Pokémon. Voilà, voilà, donc c'est sur cet instant polémique que l'on se quitte, et ça clôt donc notre grand podcast en 5 parties sur tout ce que j'avais oublié de dire, enfin tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire dans les En attendant la 6G. La sortie des jeux est dans moins d'un mois, et je suis à fond, je dois vous dire que voilà. Et je vais profiter de cet épisode pour faire une annonce spéciale. Lorsque j'aurai Pokémon X, je consacrerai 3 épisodes. Je ferai 3 épisodes de Pokémon X en découverte. Et ensuite j'arrêterai. Alors, pourquoi j'arrêterai? Pour vous laisser découvrir le jeu par vous-même. Je ferai peut-être un jour un let's play dessus, pourquoi pas. Mais voilà, là c'est juste découverte. Genre 3 épisodes de 15-20 minutes et stop, on arrête. Comme ça, ceux qui se demandent encore à quoi ressemble le jeu, ils pourront voir. Et puis, mais pas trop longtemps, quoi, pour pas spoiler l'histoire. Donc voilà, 3 épisodes et ce sera tout. Et puis peut-être qu'un jour ou l'autre, après, oui, évidemment, let's play, pas de problème. Voilà. Là cette fois c'est la vraie fin, donc en attendant la sortie du jeu ou la sortie d'une nouvelle vidéo, je vous dis salut à tous, et portez-vous bien, attendez les jeux Pokémon avec l'impatience qu'il convient d'avoir, et à la fois prochaine.